Salut à tous, moi c'est Sylvain Gamgam, naturopathe, je suis la base de 200 plants et 300 écorces que nous offre la nature. Religieux et urinothérapeute, avec l'URI nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique, mystique. Mais quand je parle de mystique, c'est dans le sens positif de mettre l'homme debout. Alors, me rendant compte que plusieurs femmes sont victimes de la consommation exagérée comme ça, des pilules du lendemain et qui causent toujours des problèmes d'obésité, de stérilité, d'infertilité chez plusieurs d'entre elles, me demandant aussi que Sylvain, apprends-nous à calculer notre cycle menstruel. Telles sont comme ça les questions posées par les différents internautes et qui aimeraient que je fasse une vidéo à l'occasion. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça y est, nous sommes présents. Je vais vous montrer comme ça dans cette vidéo comment est-ce que on peut calculer comme ça sa période d'ovulation, définir comme ça son cycle menstruel et non seulement valoriser ce fameux thé qui remplace désormais votre pilule du lendemain. Ce thé que nous le commercialisons dans les quatre coins du monde entier, des États-Unis en France, de la France à Bruxelles, de Bruxelles à Berlin, en descendant davantage comme ça par le Bénin et en touchant comme ça par le Tchad et le Cameroun pour finir dans la région de Yaoundé dans laquelle nous nous retrouvons. Ce thé est un thé contraceptif naturel qui permet non seulement d'annuler comme ça la fécondation ou alors l'ovulation même après 5 jours des rapports sexuels. Parce que ce thé que je vous le présente, les gens consomment tellement de pilules et ignorent que le Tout-Puissant a créé comme ça dans la nature des ingrédients naturels. Lorsque nous le consommons, non seulement que nous avons davantage des résultats super extraordinaires, mais en plus sans effet secondaire. Ceux qui ont consommé ce thé après 5 jours ont eu des résultats super extraordinaires et sont rendus compte que le mois prochain, il y a eu apparition des menstrues. Il n'y a pas eu davantage fécondation. C'est pour ça que j'ai fait non seulement cette vidéo, mais plus seulement pour vous montrer comment calculer son cycle menstruel. Alors commençons maintenant les bonnes choses. On va prendre l'exemple d'Alice qui veut connaître davantage son cycle menstruel. Mais avant de commencer le cadre de prendre le cycle menstruel d'Alice, difficile d'avoir ce qu'on peut entendre par un cycle menstruel. Un cycle menstruel n'est qu'une période pendant laquelle des phénomènes davantage comme ça se déroulent dans l'appareil génital de la femme et qui se reproduit identiquement à lui-même pendant un intervalle de temps donné. Alors, si on s'en tient à cette définition et qu'on connaît davantage la période d'ovulation, avant de connaître la période d'ovulation, il faut d'abord connaître davantage si un cycle est régulier ou irrégulier. La différence entre un cycle régulier n'est que un cycle qui se reproduit identiquement à lui-même et qui reste davantage les mêmes phénomènes qui se sont déroulés pendant cet intervalle de temps, alors qu'un cycle est irrégulier lorsque ce n'est pas le cas. Comment donc connaître pour une jeune fille de 12 ans ou alors pour une jeune femme qui s'est émancipée très rapidement et qui ne connaissait pas ses différentes périodes menstruelles, comment connaître si elle est victime d'un cycle régulier ou d'un cycle irrégulier? Mais entre parenthèses, on ne traitera que le cas de cycle régulier dans cette vidéo. Si vous avez davantage d'autres problèmes pour les cycles irréguliers, dites-nous dans les commentaires ou alors demandez des vidéos pour les cycles irréguliers dans les commentaires et là, on le fera si Dieu le veut. Par contre, un cycle déjà est régulier comment? Si c'est que on prend le cas d'une jeune fille lambda, le premier jour que vous vous rendez compte que vous avez l'apparition du saignement à travers votre vagin, vous mettez ce jour dans un calendrier que vous allez l'approprier à votre choix. Vous attendez encore le mois suivant, le jour encore que le même saignement arrive, vous le notez. Et le mois suivant, vous notez encore cette même date-là. Et après vous calculez, vous vous rendez compte que l'intervalle de temps d'un mois à l'autre est respecté, moralité, au bout de 3 à 4 mois, on peut déjà dire que vous êtes victime d'un cycle régulier. Par contre, si c'est qu'il y a déphasage ou alors décalage de cet intervalle de temps,
La conclusion ne peut que donner que vous êtes victime d'un cycle irrégulier. Alors, si c'est le cas d'un cycle irrégulier, vous pouvez tout continuer à suivre la vidéo et votre vidéo, vous allez vous-même la demander dans les commentaires. Et par contre, maintenant, dans le cadre d'un cycle régulier, comment faire donc pour savoir son jour de fécondation ou alors son jour d'ovulation? Mais avant de connaître le jour d'ovulation, il est question pour moi d'abord de présenter d'abord le vagin, l'appareil génital de la femme. Vous voyez que l'appareil génital de la femme est constitué de deux trompes de Fallot. Il y a une trompe gauche, une trompe droite qui, aux extrémités, possède des ovaires, ovaires gauche, ovaires droite. Ces ovaires davantage sont tels, ces derniers qui libèrent comme ça, un ovule qui va davantage aller coincer un élu donné par Dieu qui est appelé spermatozoïde pour davantage comme ça féconder et donner davantage un œuf qui tôt ou tard sera un fœtus ou alors un enfant junior créé à l'image de Dieu. Par la suite donc maintenant, ce que vous allez connaître est que là on a l'ovaire, là on a les trompes, ici on a le col de l'utérus et là c'est le vagin de la femme et là c'est les parties visqueuses qui gardent davantage de fluide pour davantage se reconstituer. Mais ce n'est pas forcément l'appareil génital de la femme qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo est plus comment calculer un cycle menstruel ou alors déterminer la période d'ovulation ou alors le jour d'ovulation. Sachez d'abord que le jour d'ovulation, c'est 14 jours avant le cycle précédent. C'est 14 jours avant le cycle du mois prochain. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, vous avez un cycle de 30 jours, en principe, la moyenne des cycles, c'est 28 jours. Il y a des femmes qui ont des cycles de, 22, 23, 24, 25, 26. Ça, sont appelés des cycles courts. Ceux qui ont des cycles de 29, 30, 31 sont des cycles longs. La moyenne, c'est 28 jours. On dit 28 parce qu'en effet, en tirant davantage l'échantillon dans la masse des femmes mondialement et interrogées, on s'est rendu compte que plusieurs d'entre elles étaient victimes d'une durée de 28 jours. D'où, on a donc dit que la moyenne de ces cycles, c'est 28 jours. Maintenant, une femme qui a un cycle de 30 jours, à l'instar de Alice que nous traitons dans cette vidéo, on a pris le mois de mars à avril. Comment est-ce que Alice pourra-t-elle bien faire pour connaître le jour de fécondation afin d'éviter la prise davantage désordonnée ou alors scandaleuse comme ça des remèdes appelés encore la pilule du lendemain? Si Alice par exemple a un cycle qui débute le 5 du mois de mars, on va dire que ici le 5 du mois de mars c'est le début du cycle. Comment connaître la fin du cycle? Parce que c'est d'abord ça. Parce qu'un cycle a une date de début et une date de fin. Après, il se reproduit encore identiquement à lui-même, en restant davantage les mêmes clauses et les mêmes conditions de départ. Par la suite, donc, alors, Alice a un cycle qui commence le 5 mars et que son cycle doit durer 30 jours. Quelle sera la date davantage de fin de ce cycle-là? On va se rendre compte que si on a le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, 29, le 30, 31, le 1er, le 2, le 3. Vous voyez que le 3 avril, c'est cette date qui marque la fin du cycle de 30 jours chez Alice. Ça veut dire qu'Alice a un cycle qui commence le 5 et qui se termine le 3. Moralité, à partir du 4, c'est le début du cycle suivant. Voilà. Maintenant, comme on sait déjà qu'Alice a un cycle qui débute le 5 et se termine le 3, quelle est donc la phase d'infécondité? Parce qu'en principe, lorsque le saignement commence le 5, généralement, l'intervalle c'est du 2. 8. Mais en moyenne des cas, on prend toujours 5 jours parce que 5 jours, c'est la période que lorsqu'on a interrogé des femmes, on s'est rendu compte que le saignement chez ces femmes-là pouvait être dans l'intervalle de 5 jours. Ça veut dire ça peut faire 2, ça peut faire 3, ça peut faire 4, ça peut faire 5, mais en moyenne, ça fait généralement 5 jours. Alors, si Alice commence le saignement le 5, en principe, elle est censée
connaître l'apothéose de ce saignement-là, le 9. Pourquoi? Parce que sachant que la moyenne seulement dure 5 jours, qui est encore appelée comme ça la période d'infécondité, c'est-à-dire que même si elle a les rapports sexuels, en ce moment-là, même non protégée, en ce moment-là, elle ne peut pas tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire du 5 au 6, le 7, le 8, le 9. Ça, c'est la période comme ça d'infécondité. Et cette période d'infécondité-là, c'est la période pendant laquelle il y a saignement. Donc, elle va utiliser davantage de garniture pour recueillir ce sang-là, pour ne pas se salir. Disons-le comme ça, pour permettre comme ça la compréhension fluide à toutes les différentes couches des différentes femmes dans le monde, hein, dans le monde entier. Maintenant, après qu'on connaît maintenant la semaine ou alors la période d'infécondité, nous voulons connaître maintenant le jour de fécondation proprement dit. On a dit que Alice a un cycle de 30 jours. C'est-à-dire que de 30, on retire 14, il reste 16. Ça veut dire que le 16e jour, à partir du jour que Alice a vu le saignement du sein, on va compter à partir de ce sein-là jusqu'au 16e jour. Le 16e jour est le jour où Alice davantage connaîtra comme ça la fécondation. La fécondation, c'est-à-dire que l'ovulation. Ça veut dire que si ce jour-là, S-Mandroïde est là, et que l'ovaire libère comme ça un ovule, l'ovaire comme ça, que ce soit l'ovaire gauche ou l'ovaire droite, libère un ovule, moralité, il y aura fusion entre cet ovule et ce spermatozoïde-là, de telle sorte que ça va comme ça donner un fœtus plus tard. Et là, elle tombera enceinte. Maintenant, si nous y allons pour connaître ce jour, on a dit du sein, on va compter comme ça, à partir du sein, on va compter comme ça jusqu'au 16e jour. Le 16e jour serait comme ça le jour de fécondation. Alors, on est là. Le 16, c'est le premier jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez que le 20, c'est le jour de fécondation proprement dit. Bon, maintenant, sachant que le spermatozoïde puissant, qui est gluant, qui est bien blanchâtre, qui est élastique, dure en principe 4 jours dans le vagin de la femme. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Ça veut dire que faites attention. Les gens pensent qu'on dit que le jour de fécondation sur le 20, c'est pour dire que non. Si c'est qu'elle a les rapports le 20, c'est là que le jour là qu'elle va tomber enceinte. C'est faux, ce n'est pas ça. En principe, il y a la semaine ou alors l'intervalle de fécondation ou alors d'ovulation. Maintenant, quel est donc l'intervalle d'ovulation ou alors de fécondation? On va se rendre compte que si le spermatozoïde dure en moyenne 4 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le 20 est le jour de fécondation, si on fait maintenant 20 moins 3, ça veut dire qu'en principe, si Alice entretient les rapports du 16, 17, 18, 19, il est probable que le spermatozoïde qui va entrer soit le 16 ou le 17 puisse y vivre 4 jours. Et s'il vit dans les 4 jours et que le 20 maintenant, l'ovaire envoie comme ça un ovule, moralité, il y aura fusion, il y aura croisement entre le spermatozoïde qui est entré depuis le 17 va vivre jusqu'au 20. Et ce 20 là maintenant, lorsqu'il va maintenant rencontrer l'ovule que l'ovaire a libéré, il y aura donc fécondation. Et s'il y a donc fécondation, ça veut dire que la femme donc tombe en ce moment là enceinte. Faites très attention parce qu'on se rend compte que quand on dit le 20, c'est juste pour dire que c'est le jour là qu'il n'y a pas de rapport sexuel ou s'il y a des rapports, ça va être protégé. Non, on va avoir les rapports même avant et après. 4 jours, on se rend compte qu'on est tombé enceinte. Et surtout que, sachez très bien que l'ovule dure 24 heures. Parce qu'un ovule qui est émis par l'ovaire le 20, forcément connaîtra davantage son décès le 21. Ça veut dire qu'il doit mourir le 21. Maintenant, ça veut dire quoi? Je me suis rendu compte qu'avec les expériences, parce que 15 ans étant naturopathe, je me suis rendu compte que les femmes généralement font quoi? Elles font le rapport le 16, elles prennent la pilule. Le 17, elles prennent la pilule. Le 18, elles prennent la pilule. Le 19, elles prennent la pilule. Mes chères soeurs, ayez même pitié de votre corps. Quand vous faites cela, après, c'est vous qui venez vous me dire que je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Vous avez pris davantage des médocs chimiques comme la pilule du lendemain qui a davantage tout exterminé comme ça, tous les oiseaux. Donc, qui vous a écrasé comme ça tous les ovules dans le corps. Et à mon avantage, tuer comme ça tous les hormones que vous possédez. Hein? Ce n'est pas bon. En principe même. Bon, admettons même que si c'est qu'il advient que vous consommez la pilule du lendemain.
Je ne suis pas là pour contredire ou alors pour interdire aux femmes de ne pas faire leur rapport, que ça soit protégé ou non protégé. Mais je suis juste là pour vous montrer une démarche scientifique qui peut vous aider. En principe, si vous faites les rapports, supposons même que pendant la semaine de fécondation, là, vous faites les rapports le 16, le 17, le 18, le 19, qu'ils soient non protégés, vous ne devez même pas prendre les pilules pendant ces temps-là. En principe, ce que vous devez faire, c'est que si vous faites les rapports non protégés le 16, le 17, le 18, le 19, c'est le 20 là que vous pouvez prendre la pilule du lendemain. Parce que sachez que quoi? Le spermatozoïde qui va venir le 16, il va vivre. Hein? Celui du 16 va vivre. Celui du 18 va vivre. Celui du 19 va vivre. Mais comme c'est qu'ils sont déjà là, 16, 17, 18, 19, ils n'ont pas d'ovule. Aucun ne raconte aucun ovule pour fusionner. Donc forcément, ils ne peuvent pas avoir fécondation. Mais c'est le 20, donc maintenant, le jour où l'ovaire maintenant, votre ovaire ici, que ce soit l'ovaire gauche ou l'ovaire droite, doit émettre un ovule. Lorsqu'il va rencontrer le premier puissant spermatozoïde, ils vont fusionner. C'est dans ce jour maintenant du 20 là que vous pouvez prendre maintenant votre pilule du lendemain. Moi, je déconseille la pilule. Sylvain Kamgan, naturopathe, déconseille la pilule. Mais si vous décidez de prendre votre pilule, que d'aligner pilule sur pilule, comme je vois les gens prennent ça déjà, ils marchent, les filles marchent ça avec dans leur petit sac à main, des sortes comme c'était, je sais pas, ou c'était une drogue de l'OMS qu'on vous a donné, ça n'en déplaise que vous. Parce que si vous voulez consommez la pilule ce 20 là, faites même des rapports non protégés le 16, le 17, le 18, le 19, et le 20 là, venez maintenant consommer votre pilule, là ça part maintenant très bien. Voilà, bon. Maintenant, avec notre thé que nous avons fait, ce thé est un thé qui est fait comme ça, à base de graines de papaye, de la camicine, de la tifolia, hein, aussi du sel, vous voyez un peu, et du ginseng aussi. Nous avons composé ce thé, ça veut dire qu'il est nettoyant, il est purifiant, il est lubrifiant. Vous voyez, nous vendons ce thé dans tous les quatre coins du monde entier. Ça veut dire, si tu as même des rapports et que tu ne veux pas tomber enceinte, quand tu as ce thé à la maison, vous prenez juste une cuillère à soupe de ce thé, vous tirez de l'eau, vous mettez dedans, vous buvez juste ce thé. Quand vous le buvez, il annule la fécondation. Même si vous avez fait des rapports, même si après 3 jours, même après 5 jours, la période de fécondation, vous prenez ce thé. Quand vous prenez ce thé-là, je vous le dis, mes chers frères et sœurs, il annule la fécondation. Donc, en principe, jetez le Norplan, jetez la pilule du lendemain, consommer des trucs naturels. C'est ça qui est bien. Quand vous faites le planning familial, laissez tout cela de côté et consommez des trucs naturels pour que ça puisse mieux vous aider. Ok? Consommez des trucs naturels. Voilà. Donc, ce n'est pas très bon pour vous. Voilà. Donc, le thé est là, il est commercialisable. Ceux qui en ont besoin, vous prenez davantage notre numéro, vous nous écrivez et on vous répond et on vous donne le montant de cela. Ça varie comme ça de 200 grammes à 300 grammes. Jusqu'à 1000 grammes. Très bien. Et chacun a ses prix. Donc, pour ceux-là, vous passez juste la commande, on vous expédie, on vous livre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, donc, comme j'ai donc parlé donc, de ça, ouais, c'est dans ce vin-là qu'il y aura fécondation. Et maintenant, tout ce que je viens de vous expliquer, là, va encore se reproduire identiquement pour un cycle régulier au mois d'avril chez Alice. Voilà. Voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça que je comptais franchement à vous montrer pour que vous ne puissiez plus faire les mêmes erreurs, consommer de thé ou alors ne pas connaître calculer les cycles menstruels. Non, chaque femme doit connaître calculer son cycle menstruel. C'est très nécessaire. Ok? Mm-hmm. Mais on apprend toujours. C'est pour ça que je suis là aussi. Je ne suis pas, au même moment que je suis naturopathe, religieux, tout et consomme, nous avons aussi le droit de vous éduquer, de vous édifier aussi certaines choses. Hein? Surtout que lorsque on vous donne les remèdes, on doit bien vous spécifier pourquoi est-ce que tel remède va avec tel remède ou avec tel corps. Très bien. Donc, j'ai expliqué cela et je pense que je n'ai pu être très long dans cette vidéo parce que j'ai vraiment pris bien de votre temps. Mais avant de partir, permettez-moi de vous présenter quand même ce que je tiens en main. C'est le livre comme ça du grand docteur Tal Schiller. Il parle de la maroli. Et ici, la maroli que je vous parle... Dans ce livre, vraiment, les sidéens retrouvent la guérison, les cancéreux retrouvent la guérison, les hépaticiens retrouvent la guérison, tout le monde s'y retrouve. Il y a trop de témoignages. Il y a aussi davantage de traitements. Des enfants de 0 mois allant jusqu'à
SH, dans ce livre, très intéressant, nous avons reçu comme ça une vingtaine, maintenant il reste une dizaine, que ceux qui en ont besoin pour davantage sauver les vies, laisser comme ça un héritage à leur famille, doivent se procurer ce livre en attendant les miens. Parce que mon livre, ce qui est la différence entre mon livre et ce livre, est que eux, ils ont tout donné les bonnes choses thérapeutiques dans ce livre. Mais le côté mystique, parce que moi, connaissant que 95% de tous les problèmes et des maladies des hommes proviennent par les voies invisibles données par chacal, je sais que l'urine soigne toutes ces différentes maladies, toutes ces différentes délivrances-là, avec les sommes que nous ajoutons en ajout. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, mais qui va être disponible jusqu'à janvier 2021, si prêt à Dieu. Mais en attendant, le livre est disponible. Passez la commande davantage pour ce livre. Il reste une dizaine. On a aussi acheté aussi le fichier numérique. Pour ceux qui en ont besoin, dans les quatre coins du monde entier, vous prenez notre numéro, vous nous appelez, vous commandez, vous faites la transaction. Si vous êtes hors du Cameroun, on vous expédie le fichier numérique du livre. Il coûte 10 000 francs. Si vous êtes dans le Cameroun, on peut vous expédier le livre ou le fichier numérique parce que le livre, lui, coûte 15 000 francs. Il coûte 15 000 francs. Il est très riche. Avec 15 000 francs, vous pouvez même sauver des vies qui pouvaient même décéder. La vie d'un homme n'a même pas de prix. Commençons d'abord par là. La vie d'un homme n'a pas de prix. Donc, il n'y a même pas une façon de comparaître. Là. On veut juste davantage faire que c'est les frais davantage de ces feuilles-là qu'on utilise. Sinon, tout est dans ce livre et très bien. Voilà. Donc, ce que je tenais compte à vous dire. Maintenant, par la suite, ce que je veux que vous compreniez, c'est que les formations sont lancées. Formation en naturopathie. Formation davantage aussi en neurothérapie. Formation aussi sur l'argile. Parce que l'argile que vous voyez là est tellement... L'argile soigne tout. Cosmétique, thérapeutique, mystique, l'argile fait tout. Les formations vont de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Le reste, on peut même signer un contrat, même que toute la vie on est ensemble. Et quand vous faites les formations, maintenant vous montre le côté mystique et thérapeutique de chaque module. Maintenant, si vous êtes... Et les conférences sur Amaroli au Cameroun dans la ville de Yaoundé auront très bien lieu à partir du 10 novembre. Donc, veillez à garder vos places pour ceux qui veulent être présents dans la salle. Nous sommes à Yaoundé. Ça aura lieu au quartier Guémassi à Yaoundé. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que les numéros des gens en bas de cette chaîne, je ne mets aucun numéro là-bas, mon numéro est juste sur l'écran. Si vous êtes victime d'une arnaque quelconque, je ne suis pas responsable. Parce que je vous ai toujours dit, prenez les numéros sur l'écran. Je ne mets pas mon numéro dans la barre des commentaires. Donc ceux qui viennent déposer davantage les numéros là-bas et pour vous demander de les appeler, si vous arnaquez, je ne suis pas responsable. Et pour sortir de cette vidéo, si toi tu es victime de quoi? Sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose, malaria, lèpre, je ne sais pas quoi d'autre te dit. Appelle-nous, on s'entend, en 2 mois, je dis 2 mois, tu vas être à guérison dans le sang précieux de Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, pour davantage comme ça, annuler, anéantir, écraser, piétiner, brûler les voies et les ruses de chacal. Maintenant, il est temps que je te dise au revoir et que la paix du Christ vous accompagne et qu'il vous protège bien dans tout ce que vous voyez ici chez nous et que vous passez davantage à l'application. Mais avant de partir, abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo pour davantage aider ton frère, ta soeur dans un trou qui souffre et qui a besoin de ton secours. C'était votre humble serviteur Sylvain Kamgam, votre naturopathe. Je vous aime. Bye bye.